Ah, et là, ça va pas mieux? Ah, si j'ai des problèmes, c'est que je dois utiliser une distribution Linux. <laughs> non, j'ai fait mon classique. J'ai pourtant tout préparé. J'étais un peu à la bourre entre un truc du boulot avant, un truc du boulot après. Donc j'avais changé ma machine pour être prêt à balancer le live. J'avais allumé mon micro, j'avais pensé à tous les trucs. Sauf, j'avais toujours pas lancé la fameuse petite appli qui gère le micro au milieu. Trop la classe. Bon, bah je recommence, ça sert à rien, j'ai parlé dans le vide au début, j'aurais l'air d'un abruti sur, la, sur le replay. Mais je l'avais annoncé avant même que ça démarque, je sentais qu'il y avait un problème de Carmouse. C'est pas très grave, on va se débrouiller. Euh, bah c'est dommage, j'ai dit plein de jolies choses sur Olivier, je vous disais d'aller finir de regarder sa présentation de son, de son appli qui fait du chip. Est-ce qu'on parle d'actu ici? Never backping. Oui, normalement on parle d'actu et c'est ce qu'on va faire. Le replay fera naturel, non non je laisse tout moi dans les replays, je ne coupe rien monsieur, je laisse tout comme ça vient. <laughs> tant pis. Tant pis, tant pis. Euh, du coup, avec toutes ces. D'habitude, j'ai le temps de regarder toute l'émission d'Olivier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'irai voir le replay du début. Euh, je ne sais pas si il a abordé. Euh... Alors le premier sujet que je voulais aborder qui concerne un petit changement euh, qui est survenu. Il y a eu des annonces et en plus un petit rebond ce matin. Euh, chez euh, Unity. Unity, euh, c'est cet outil qui permet euh, d'avoir tout un environnement de création de jeux vidéo avec un moteur, avec un tas de, un tas de choses. Ah, tu l'as abordé, je, je me doutais bien. Et euh, jusqu'ici, euh, bah, du coup, ceux qui viennent de chez Olivier. Euh, euh, aha euh, ce qui vient... Ah ah Est-ce que vous n'avez pas des petits crash Moi, j'ai des petits crash sur mon haut-parleur en même temps. Je vais couper là pour que ça ne foute pas le bordel. Voilà. Ouais. Et donc jusque-là, Unity, le principe, c'était, euh, ben, vous installez Unity, vous développez votre jeu, vous vendez votre jeu, et euh, vous n'avez pas besoin de, de prendre de licence euh, mirobolante. Tant que vous ne faites pas un certain seuil d'argent, vous n'avez pas besoin de licence, puis après, il y avait des licences, et puis vous pouviez en prendre pour avoir du support, des choses comme ça. Donc déjà, moi, je trouvais ça un petit peu moyen, c'est pour ça que je vous avais parlé à plusieurs reprises de Godot, qui avait deux avantages. On vous demande rien quand vous faites votre jeu, et surtout, c'est open source, vous pouvez contribuer, vous pouvez évidemment... Et je vous enjoins à le faire si vous basculez de Unity à Godot, parce que la licence vous plaît plus chez Unity, euh, de aussi leur donner de l'argent. Il y a tout ce qu'il faut derrière, une fondation qui gère tout ça. Bref, toujours est-il que cette licence qui était déjà moyenne, eh ben, ils ont décidé de la changer. Donc je vous renvoie au replay de, de l'émission d'Olivier pour avoir, euh, pour avoir tout, tout les, tous les outils. Et euh, si en attendant Godot, je les référence, en utilisant Unity, déjà vous étiez dans l'erreur. Tant pis pour vous. Euh, non, c'est pas ça. Et là, donc, la licence a changé. Euh, euh, alors, va changer. Ils ont annoncé qu'elle changeait au 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que le système, ben, ils ont changé euh, leur système de plafond. Tout à coup, en, ça va calculer une facture. Non pas au niveau. Euh, avant, vous payez euh, les licences en nombre de développeurs que vous aviez dans votre entreprise. Et là, ce serait en fonction du nombre d'installations de votre jeu. Donc, euh, gentiment, ils vous annoncent qu'ils vont commencer à prendre un pourcentage. Euh, comme des gros gourmands. Euh... Et ils ont fait ça alors euh, comme des gros rats, effectivement, en loose dé, puisqu'ils euh, ont retiré euh, les infos qui correspondaient à ça. Enfin bref. Ouais, ouais, on va faire les pirates, comme dit Tregui. J'ai plein de licences gratuites godot. Allez-y, euh, souscrivez au Twitch de Thierry et de Titi mobi et même d'Olivier. Et on vous enverra des licences gratuites parce qu'on est vraiment des gros gueudins. J'ai des milliers de licences à offrir, c'est parti. Euh, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut, si vous l'utilisez professionnellement, comme j'en connais plein, on en a parlé ici, euh, euh, notamment euh, le jeu Game City, non Game City Studio, Game City Studio, non oui, voilà. Euh, contribuer, contribuer, régler, euh, régler de l'argent, la fondation après paye des développeurs, c'est cool comme ça. Donc voilà, donc non seulement ils annonçaient que vous alliez payer, qu'ils allaient se gratter un petit pourcentage sur vos jeux, il euh, y... y avait des choses un peu floues, c'est genre, euh, ouais mais euh, comment vous allez, euh, vous allez comptabiliser les installations. La réponse était un petit peu esquivée, mais genre il y aurait peut-être des trucs dans Unity qui iraient parler chez Unity, sans vous le dire, hein, pour compter les installations, enfin ce genre de délire. Et le petit rebond euh, de ce matin, je ne sais pas si Olivier tu l'as vu. Euh... C'est pas un rétropédage encore complet, mais il commence à y avoir de la com qui dit chez Unity, non mais on vous a entendu, euh, là on a compris qu'on avait fait une boulette, on va étudier le truc. Donc ils sont en train de dire que peut-être ils vont revenir en arrière, mais par expérience, toutes les boîtes qui ont fait ce genre de joli discours, ils font un pas en arrière, mais vous inquiétez pas, six mois après il y a trois pas en avant. Donc euh, ben j'ai envie de dire, euh, si j'aimais déjà pas Unity, j'allais déjà pas en faire la pub, euh, c'est pas maintenant que ça va changer. Et histoire de vous montrer quelque chose euh, en lien avec ce que je fais des fois avec Calme, alors on va commencer par, si vous voulez parler entre autres de cette histoire de Unity, mais pas que, on a un Discord de la communauté Calme, rejoignez-nous, ça sera avec plaisir qu'on papotera ensemble. Et j'ai jumelé cette news avec un, un outil que l'ami Kigorg, comme dans Meporg, vous vous souvenez, l'ami Philippe euh, M'a dit, ouais, ouais j'ai trouvé un nouvel outil là, euh, qui fait de la génération de contenu, de sites, de slides et tout, donc il a fallu que j'essaye évidemment. Hein. Et je vais donc vous partager ça. On va changer de vue. Hop. Le voici, le voilà. Et donc, j'ai demandé à cet outil de me préparer une présentation qui explique pourquoi il faut migrer euh, de Unity à Godot et puis de faire un, un petit pitch deck et tout ça. C'est merveilleux. Euh, donc, j'ai lancé ça, vous le voyez, hein, c'est publié directement. Je vous avertis tout de suite, c'est un truc que je ne vais pas signer chez eux. Le contenu, a priori, est tout bloqué chez eux. Donc, euh, c'est sympa, mais tu ne peux pas récupérer tes propres slides ou ton propre site que tu as généré. C'est vachement cool. Euh, donc, peu importe, c'était juste pour, la... pour le fun. Et euh, j'ai mis, la... pour la petite histoire, j'ai mis en français ma question. Il a compris la question en français, puisqu'il l'a traduite à la volée. Par contre, le contenu a été généré en anglais, il n'a pas été traduit. Donc, il y a vraiment, évidemment, plein de raisons. Euh... Voilà. Bonjour messieurs les investisseurs. Je viens faire mon petit pitch magique. Voilà pourquoi il faut basculer chez Godot, même s'il y a plein de mauvaises raisons sur ce slide, ça n'est pas grave. <laughs> non mais je sais Goose que tu as tout ce qu'il faut en termes d'outils de, de slide et moi ça me fait rire quoi. Donc voilà c'est free open source qui est un avantage indéniable. Les coûts de développement sont moindres, mais n'oubliez pas de contribuer. Enfin bref, vous avez plein de formats pour vos assets. Et je trouvais que c'était rigolo. Donc voilà, on vous vante les mérites de Godot. Vous avez de la flexibilité, de la customisation. Alors, Better Performance and Efficiency, je pense qu'ils s'engagent un peu. Je pense que pour avoir, utilisé, pour avoir utilisé les deux, oui, quand vous êtes en train de développer, je pense que la partie cliente de Godot, qui est l'IDE, vous permet de développer. En tout cas, sur la machine, j'ai l'impression que c'était quand même vachement mieux foutu. Euh, J'ai jamais débugué avec Unity, donc je ne peux pas me prononcer. Ça marche effectivement avec Godot. Euh, tout à fait, le libre-vie aussi. Tu peux t'arrêter là. Il n'y a pas de raison. C'est libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, apporter sa pierre à l'édifice. Après, soit vous pouvez faire des contributions, soit vous pouvez faire des contributions financières. Euh, voilà, il y a le choix. Mais en tout cas, euh, voilà. De toute façon, Unity Tregui, s'il commence à faire de l'adobe, c'est que c'est déjà les financiers qui ont pris le contrôle de la boîte. Il en sortira probablement un bon par la suite, déjà vu des dizaines de fois. Oui, enfin il y a un moment que ça existe Unity sous cette forme-là, il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, je vous déroule mon super slide. Hein. Voilà. Alors, je, il y a des arguments que je, je vous laisse juger par vous-même. Je vais vous mettre le lien, hein, tiens. On, on, on peut partager, parce que c'est publié derrière. Je vais vous mettre le lien <laughs> sur ce formidable pitch deck. Improved Open Source euh, Nature. Je suis bien d'accord, c'est formidable. Et après, vous avez le petit, ditch, le, le petit pitch deck de migration. Euh, voilà. il, faut, il faut analyser tout ça et vous avez tout le plan qui va avec. Et voilà, moi ça m'a fait rigoler. Il ne faut pas grand chose pour rigoler. Hein. Il n'y a pas de raison. Un peu d'humour ne, ne peut pas nuire. Euh, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque un petit truc qui avait tout à l'heure on va faire un petit changement à la volée hein. des fois que ça marche tout seul on va casser le truc hop euh, j'arrive hein. vous inquiétez pas je suis pas loin voilà il manquait ça hop ça pas la bonne taille mais c'est pas grave on va le grossir un peu voilà je vous rappelle que vous pouvez toujours aller suivre les différentes pistes pour contribuer à donner un coup de main à nos amis au Maroc euh, le sujet suivant que je souhaitais aborder bah, ça peut être celui-là aussi au passage euh, j'ai pas repris le tweet mais on doit pouvoir le retrouver rapidement de Devox Maroc si je vais effacer ce que je tape en même temps on va pas le faire pour vous dire l'autre fois je savais pas où ça en était voilà c'est celui-ci je vais vous le mettre et puis je le mettrai dans la description. Euh, des news de Devox Maroc qui euh, indique que tout est prêt, qu'ils attendent tout le monde, ils attendent la venue. C'est le message de toute façon qui est, euh, qui est relayé par euh, bah, la plupart des Marocains avec qui j'ai été en interaction. C'est euh, on a besoin effectivement d'un coup de pouce international. On est grand, on peut se débrouiller sur plein de sujets, mais surtout, euh, le plus dangereux, ce serait de. Eh ben d'arrêter de venir nous voir, que ce soit pour du tourisme, que ce soit pour une conférence technique. Donc voilà, non seulement ils maintiennent, mais ils ont l'air chaud patate. On a échangé des emails, ils sont, ils sont en train de tout préparer. Donc je vous tiendrai au courant d'ici le mois d'octobre, puisque j'ai la chance d'y aller avec mon ami Stéphane. Euh, voilà, c'est juste le petit point Maroc au passage. De toute façon, je vous en reparlerai régulièrement. Euh, on a parlé de Unity... Je voulais vous parler. Ah oui, je l'ai évoqué rapidement l'autre jour et j'ai trouvé ce tweet formidable d'Amélie Benoît qui était présente hop, au Jug Summer Camp pendant la conférence dont je vous avais euh, rapidement parlé. Voilà, Je vais mettre plus, plus gros l'image. Voilà. Elle a fait un, une sketch note de la conférence Select Amazing Features from PostgreSQL de Kevin Davin. Ou Kevin davin je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, lui demander son nom de famille, avec plein de, alors euh, soit des nouveautés, soit des, des choses simplement que je ne connaissais pas moi, euh, autour de bah, du langage SQL et euh, de son usage dans PostgreSQL. Et je trouve ça super intéressant, ça m'a remotivé. J'ai recommencé à, à faire des petits essais de trucs, euh, bah, notamment pour le boulot, mais euh, du coup, j'ai repris plaisir à essayer des choses. Il y avait longtemps que n'avais pas fait un peu de veille techno. Euh, ça se prononce à la française. Ah ben, dis-moi, dis-moi, mon petit Regui. Est-ce que tu veux que je dise SQL -E Moi, je sais pas. Tu sais, c'est comme Gif, Give, je m'en fous. Chacun sa chapelle, restez chez vous et soyez sages. Mais surtout, ne me cassez pas les couilles. <laughs> Encore un replay qui ne sera pas marqué pour les enfants sur YouTube. Euh, il présente, de, enfin, la, le, la sketchnote présente toutes ces, ces features qui ont été abordées par Kevin pendant sa présentation. Il y a vraiment des petits trucs euh, bah, euh, génialissimes. Euh, J'essaie de regarder sur la sketch note euh, la partie vector qui était abordée. Ça doit être dans, ouais, dans le full texture ou les choses comme ça. Je sais pas, je sais plus, je vois pas sur la page. Euh, moi je suis en train d'essayer voilà, tout, tout ce qui est euh, les embeddings. Ah! Tu parlais, tu parlais de David. Mais moi, il ne me faut pas grand chose le lundi pour démarrer. Je suis chaud tout seul. J'ai le soleil sur la tête. <laughs> Davin Davin Kevin Davin. Je te remercie, Trégui. Trégui ou Trégaï <laughs> C'est infini. Il ne s'arrêtera pas. Et ouais, je regarde tout ce, qui est, tout ce qui est vectorisation dans les bases de données, mais pas que, puisqu'il y avait aussi l'excellente présentation de David. Pilato sur euh, Elasticsearch et les capacités d'Elasticsearch. Si vous enrichissez euh, vos données avec de l'embeddings, euh, vous avez des recherches encore plus pertinentes dans certains cas. Les embeddings, c'est euh, un certain nombre d'informations que vous allez rajouter. Euh, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça d'ailleurs des, des metadata ou un truc comme ça, mais bref. Euh, qui sont généralement des, des... Alors qui peuvent être plein de choses, hein, justement, qui peuvent être des chaînes, qui peuvent être des valeurs, qui peuvent être... Euh, bref. Euh, vous pouvez enrichir une donnée avec ce genre de valeur et faire des recherches différentes. J'en sais rien, vous pouvez par exemple sur un fichier, vous stocker du son et avec, vous allez stocker par un algorithme, à vous de voir, justement avec du machine learning éventuellement à côté, quelque chose qui représente le timbre d'un son, quelque chose qui représente un tas de choses comme ça. Et nous avons Noivoting e qui dit mais c'est pas dangereux d'utiliser des features spécifiques à une DB, les queries ne sont plus portables. Et alors je te répondrai euh, que j'ai travaillé chez Oracle. Alors les features qui sont spécifiques, <laughs> j'ai appris à vivre avec. Euh, et ensuite je pense que euh, les utilisateurs de PostgreSQL dans le monde de la DB doivent représenter un volume important. Donc après tout. Euh, là c'était spécifique, ils ne présentaient pas euh, les avantages, les nouveautés de SQL, il présentait les nouveautés côté euh, PostgreSQL. Donc c'était ciblé sur PostgreSQL. Euh, après, tu me dis que les queries... Je dois être Miro. Tu le vois sur, le... sur la présentation là, sur la sketch note. Parce que je sais qu'il y avait le merge, que j'ai trouvé intéressant pour, euh, pour faire des joins, mais avec des contraintes. Les queries sont plus portables. Ah, au sens général, tu veux dire, la requête que tu écris en SQL qui serait. Euh... Alors, dans tout ce qui est là-dedans, justement, dans la présentation, il... elle n'est pas publiée, je pense encore, mais c'est intéressant. Euh... Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en fait des évolutions de la norme SQL qui évoluent. Et notamment, j'ai appris qu'elle avait une évolution. La dernière, en 2023, il y a eu euh, une évolution de la norme. Celle d'avant, c'était 2016. Donc, ça bouge quand même régulièrement. Et en l'occurrence, la plupart des éléments que tu vois là sont dans la norme, ce n'est pas du spécifique. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les embeddings, les vecteurs, si, ça par contre, c'est du, du spécifique. Mais euh, je pense que ce qu y a la, les, la majorité de ce que vous voyez là, ce n'est pas, pas forcément euh, hors, hors scope. Mais c'est intéressant, euh, est-ce qu'il l'a fait ailleurs bah Tiens, on peut faire une petite recherche. Hop et pour répondre un peu plus sérieusement en fait à ta question, je pense que c'est comme ne pas utiliser de spécificité d'une base de données sous prétexte que ça ne serait pas portable. C'est comme dire je ne vais pas utiliser les spécificités de Java parce que j'ai peur qu'un jour je bascule sur du C. Je pense qu'il faut aussi faire avec les outils qu'on a. Alors je confirme que faire trop de bases de données, ça laisse desséquer le développeur. Mais je crois que c'est vrai pour pas mal de choses. Euh, eh ben je vois qu'il y a eu des présentations à Devox France de ce talk. Et eh ben si, regardez. Voilà, sa présentation existe. Donc je vous laisserai faire la petite recherche, parce que je ne sais pas s'il met à jour au fur et à mesure. Mais je voulais vous montrer le début. Hop, hop, hop. Voilà. Il vous dit que c'est un standard. Oui. Il me semblait qu'il y avait une slide. Peut-être qu'elle était encore plus à jour. Euh... Parce qu'il y avait une slide avec les dates des mises à jour de la norme SQL, donc euh, c'est pas la, la dernière version de ces slides probablement. Je rappelle qu'il y avait une slide avec marqué 2016-2023, je crois. Je le retrouve pas là. Bref, euh, je vous invite, si vous êtes curieux sur le sujet, d'aller voir. Et nous avons aussi un commentaire de Triggy. Imagine que tu veux stocker une structure hiérarchique. Oula, ça va me fatiguer en BAE. Oh là là, mon cerveau est pas prêt. Je préfère largement utiliser un truc spécifique à PostgreSQL qui marche que reprogrammer du hiérarchique en SQL. Ah oui oui d'accord. Bah, c'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire que euh, je pense qu'effectivement quel... c'est vrai pour tous les outils. Je ne pense pas dire de bêtises là-dessus, mais euh, euh, c'est vrai pour les langages, c'est vrai pour les frameworks, c'est vrai pour vos infrastructures. Euh, si vous avez un besoin spécifique euh, au hasard. Vous faites de l'IA et c'est peut-être plus intelligent d'utiliser le GPU alors que ça marche aussi sur le CPU, sur le papier. Il faut aussi prendre ce qui est adapté. Donc euh, toujours, je pense... Je, je prendrais le parallèle vraiment avec les, les librairies, par exemple. Euh, quand vous rajoutez une librairie, quel que soit votre langage à un projet, toujours réfléchir à ce qu'elle vous apporte parce que vous savez que vous allez du coup vous rajouter cette contrainte de suivre ce qui se passe avec cette librairie. Je pense que de la même façon sur une base de données. Sortir du standard SQL euh, va, euh, va vous obliger à, à faire attention à ce que ça vous apporte vraiment quelque chose. Et je pense que dans ta question, euh, Noivoting, e Voting, il y avait aussi de. de parce que tu parles de est-ce que faire trop de bases de données, ça laisse des SQL Je pense aussi à trouver l'équilibre entre ce, ce que vous allez faire dans la base de données et dans vos requêtes et ce que vous allez faire dans votre application. Il y a aussi une frontière qui est intéressante, pareil dans le talk. Je vous conseille vraiment, quand il va être publié, d'aller le voir. Puisque Kevin l'abordait à un moment donné, si j'ai bon souvenir, il faut trouver le juste équilibre entre je vais le mettre dans le code applicatif et je vais le mettre dans ce que je fais dans la base. Parce que les bases sont de plus en plus euh, bah, perfectionnées, quand vous voyez tout ce qui est possible de faire. Euh, quand on voit qu'on peut facilement maintenant euh, manipuler de, du, du JSON binaire, il y, a, il y a vraiment de super outils maintenant dans, dans PostgreSQL par exemple. Euh, à voir si euh, dans, dans votre cas c'est intéressant ou si vaut mieux faire attention et le garder côté applicatif en vous disant que peut-être euh, pour des évolutions ça sera plus sympa pour vous. Enfin, voilà. Je pense que c'est une question d'équilibre. En tout cas, euh, moi j'ai trouvé cette présentation vraiment... Euh... Bah ouais, il y avait longtemps qu'une présentation ne m'avait pas autant euh, motivé. Euh... J'en ai eu plusieurs d'ailleurs au, au Jug Summer Camp finalement. Euh, celle, celle de David sur... Euh... Sur le côté vectorisation de vos données pour ajouter des embeddings et après qui vous permettent de faire des recherches ou un travail plus spécifique. Je trouvais ça aussi captivant. Donc voilà, je pense que nous en reparlerons. Euh, même si Olivier a drifté un petit peu, je vais essayer de moi de pas trop reporter ce décalage parce que j'ai du boulot qui m'attend. Mais je voulais vous partager ce lien. Que je vous préviens tout de suite, évidemment, je n'ai pas eu le temps de tester, mais que ce soit là maintenant tout de suite ou euh, dans le replay euh, euh, sur YouTube, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur euh, ce type d'outil. Je vais zoomer un peu. En fait, il s'agit euh, d'avoir la possibilité. Donc ça s'appelle Atuin. A-t-u-i-n. Euh, ça va rajouter la possibilité de conserver l'historique de votre terminal, de votre shell. Euh, dans une base qui doit être une base euh, SQLite à la base. Yes. Ouais, c'est ça, il présente la totale. Euh, c'est en deux temps, c'est-à-dire que c'est un outil qui va historiser historiser votre historique, c'est beau, hein, euh, dans une base Lite qui, elle-même, grâce à des outils du projet Atwin, peuvent être backupés sur un serveur Atwin. Alors, quand je dis un serveur Atwin, c'est que c'est un projet open source. Soit vous créez votre serveur Atwin, ce que je vous conseillerais parce qu'on parle d'historique de Shell, donc il peut y avoir des données sensibles. Si vous, si vous n'en avez pas la possibilité ou si vous vous en foutez, euh, le projet Atwin a aussi un serveur qui peut vous servir directement. Donc vous allez avoir euh, cette synchronisation d'historique de Shell qui peut se produire. Et grâce à l'outil Atwin, vous allez pouvoir avoir différents environnements qui vont conserver euh, cette historique de Shell. Et. L'article que je vous ai mis là, euh, pourquoi il m'a intéressé C'est parce que. Euh, D'abord, c'était parce que c'était de chez mes chouchous de chez Gitpod. Coucou Gitpod, coucou Pauline. Euh, c'est qu'il y a un truc qui parfois est embêtant quand euh, vous avez plusieurs sessions dans le temps, ou euh, peu importe, ou. Sur un même projet. Vous savez, le principe de Gitpod, c'est de partir du même projet. Euh, sur GitHub ou GitLab, et puis vous lancez un workspace où vous allez pouvoir éditer les fichiers, pouvoir les modifier, les pousser dans votre repository, et en même temps avoir un shell pour interagir avec le projet. Bien, tout cet historique qui peut des fois être intéressant, si vous ne réutilisez pas ce même workspace pour X raisons, soit parce que vous revenez plus tard sur le projet, et que du coup vous avez plus l'historique de ce projet, soit enfin, il peut y avoir plein de raisons, vous allez perdre cet historique qui des fois a de la valeur aussi. Donc c'est une façon de synchroniser cet historique. Euh, encore une fois je vous conseille d'avoir votre serveur sécurisé à vous avec votre historique de, de ces historiques de shell et puis vous remontez le projet vous remettez l'outil à twin vous faites une image gitpod par exemple qui a déjà l'outil à twin dessus qui se connecte qui récupère qui synchronise et hop ce sera transparent pour vous votre workspace aura toujours l'historique de shell moi j'ai trouvé que c'était intéressant je vais probablement jouer un peu avec avec des projets sur gitpod euh, parce qu'il qu n'y a pas de raison parce que je trouve ça intéressant parce que c'est cool. Et je me suis dit que autant le partager avec vous. Euh, sinon, sinon, qu'est-ce que je peux avoir oublié Voilà la sketch note, à twin, des voilà, questions de l'ami euh, Big Lespi. Je vous montre mes signés. Hein, voilà au passage. Vous voyez euh, ce que Olivier vous a présenté tout à l'heure, euh, le chiptune tune player. Voilà. Ah oui, il y avait aussi. Alors. Ouais, si certains d'entre vous s'intéressent euh, au monde WebAssembly, sachez que le support WASI arrive dans Kotlin dans la version 1.20 bêta. Donc, si vous voulez faire de, du WebAssembly en Kotlin, c'est possible et euh, ça s'enrichit euh, de jour en jour. Et l'autre point que je voulais aborder aussi, mais là j'ai pas mis les slides, peu importe, c'est pas grave, je pas mis l'URL. Il euh, y a un outil pour ceux d'entre vous qui aiment l'environnement des outils de chez JetBrains. Il va y avoir un outil dédié à, au langage Rust, qui sera adapté euh, comme ils font pour, euh, pour Python, pour Go et autres. Donc je ne sais pas ce qu'ils apportent en plus. Allez, j'ai dit que je ne le faisais pas, mais on le fait quand même. Hop. JetBrains Rust. Je pense que voilà. C'est celui-là, je pense directement. Voilà qui s'appelle donc Restover, qui est pour l'instant en preview, donc je pense que si c'est comme les autres produits de, de chez Jetbrain, euh, vous allez pouvoir l'essayer avant que ça devienne payant ou pas, je ne sais pas quel sera le statut de celui-ci, est-ce qu'il y aura une community edition je ne sais pas. Euh, et qu'est-ce qu'ils mettent en avant Voilà, il y a un language server qui va derrière avec le côté code complétion, code génération, ils y sont mis évidemment, mais ça fait un moment qu'ils avaient un peu ça... Ah, peut-être des petits trucs spécifiques dans les run configuration parce que j'imagine qu'il doit y avoir ouais, voilà ils disent par exemple full support for developing CLI applications donc, pourquoi pas la partie cargo ouais, ça c'est intéressant voilà. ça, après c'est des features de tous les outils intelligents. donc voilà si c'est un truc qui vous branche de bosser avec les outils euh, bien entendu je viens de parler dans le vide parce que je vous ai montré la page et vous ne l'avez pas vu au fur et à mesure que je descendais. Voilà. Euh, C'est ce que je vous montrais. Donc il ouais, y a le language server, il y a ce genre, ce genre de choses, des aides à la, dans les configurations de run et de debug et d'analyse. Et surtout la gestion de dépendance. Je pense que ça doit être sympa de gérer les dépendances cargo avec ça. Ça ne doit pas être mal à mon avis. Voilà, voilou euh, bah je pense que c'était l'essentiel je suis bien entendu euh, complètement à la ramasse sur euh, le projet en Python vous savez le petit euh, -like, le tuto roguelike c'est pas, pas perdu de toute façon j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout donc on y retournera hein, mais euh, j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet vilain que je suis je sais pas si vous avez des commentaires, non ça vous a pas interpellé le persisted terminal history et pour Rust ma foi il faut déjà faire du Rust pour que ça puisse vous intéresser mais ça, je sais pas jusqu'où ils vont dans dans ce qu'ils proposent est-ce qu'il y a les outils pour apprendre comme il y a par exemple pour Python je sais qu'il y a pas mal il y a un mini cursus pour apprendre les bases pour Go aussi donc ça peut être sympa pour apprendre aussi enfin voilà euh, ben, je pense que sur ce euh, on va pouvoir commencer à se dire au revoir euh... Je vous remercie d'être passé. Merci à l'ami Olivier de continuer ce petit échange. Un de ces quatre, il faudra que j'arrive à faire une émission avant toi. Ça voudrait dire faire une émission, je sais pas, vers 11h. Mais j'envisage de le faire pour pouvoir faire un raid et envoyer les gens chez toi. J'adorerais. Voir, éventuellement, on pourrait se faire une émission plus longue, tous les deux, voire incorporer un camarade de jeu en plus pour être trois, je sais pas. Donc, euh, ou inverser. Ouais, c'est vrai. On pourrait inverser un de ces quatre, histoire de les déstabiliser un peu. <laughs> non, non, mais ça me trotte, ça me trotte. Faire une émission plus longue, tu vois, mais la faire à deux. Ouais, ben bah voilà. Tu m'invites à ton émission et quand ton émission est finie, je m'en vais et je t'invite sur la mienne. <laughs> on fait double guest star et on fait double émission. On, on va se causer, Olivier. Il y, y a des trucs qui peuvent s'envisager. De toute façon, ils ont rien dit, ils n'ont pas dit s'ils étaient intéressés ou pas. Je vais vite couper l'émission et ils n'en donneront pas leur avis. On fera comme on veut. De toute façon, on fait, on fait comme on veut. <laughs> Ça marche Eh bien, euh, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Euh, J'espère que votre semaine va bien se passer. Moi, je vais bouger un petit peu du côté de l'île pour la fin de la semaine, où j'aurai la chance d'aller chausser mes baskets avec l'ami Stéphane. Et puis, on ira bosser aussi. Je vous tiendrai au courant. Je, je vais mettre un pied dans un univers que je connais assez peu. Donc, je pense que j'aurai des choses à vous raconter. Mon heure de table va se rallonger, peut-être tu m'étonnes. Excellente journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci.